Salut les amis! Comment ça va? Tout va bien? J'ai choisi, putain, j'avais le maillot d'Arsenal, j'ai failli le prendre. Le maillot d'Arsenal, tu sais, vert, rouge et tout, avec les trucs. Les menus, ouais, c'est à peu près équivalent. Je me suis même pas trop baladé pour vous dire, mais bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait une vraie refonte. Hein. Après, les gars, l'interface en mode, c'est. Mais c'est vrai que l'interface, c'est exactement la même. T'en fais voir, on va juste ouvrir 4-5 packs juste pour voir. On sait jamais si je pack déjà un gros joueur. Ça vient d'où ça? Octroie un élément origine non échangeable qui sera amélioré en prime en novembre? Ah, mais c'est le truc ultimate! En vrai, je crois qu'on va l'ouvrir direct. Hein. Et en plus, le joueur, il va évoluer après. Donc, si tu packes une carte pas mal, tu te dis, c'est bien. Mais je vais avoir de la merde. Je vais avoir le pire joueur, comme d'hab. Ah! Eh, putain. Il n'y a même pas eu de pack, il n'y a rien. J'ai le pire truc. Vas-y, casse-toi. Ça recommence comme les autres années. C'est bon, niquez-vous tous. Ça repart pareil. L'autre, j'ai le pire truc et tout. Il n'y a même pas de pack d'animation. Après, les gars, un gardien, ça peut servir. Hein. On va commencer par ouvrir celui-là, sur un malentendu. Bah, j'ai loupé le coche. Hein. Ok, donc quand t'as un joueur éclaté, ça fait ça, ok. On dirait des battements derrière de cœur ou de musique, non? Ça démarre bien. Franchement, rien à en tirer. T'en fais voir. Alors, au début, t'as que les packs comme ça, ouais, ça bouge pas. T'en fais voir si on a une anime direct, juste. DD. Ok, ok. Et c'est une anime en plus, non? Seattle, il est bien le logo. Elle est belle l'anime, Huerta. Attends, t'as un truc comme ça pour 82? Je sais même pas comment on voit si c'était une vraie anime ou quoi. Moi, je m'attendais à 85, 6 minimum. Vous m'avez dit, t'as une anime. Ah, c'est bon. Oh, Skriniar! Il est pas mal le maillot des Rangers. De toute façon, c'est 19h où il y a la Team of the Week. Bon, je suis pas sûr qu'on pack de la Team of the Week, mais tant qu'à faire. Animation! Ah. C'est pas mythe, ça? Ah non, Galton. Partait. Après, il a pas une carte de fou. Ok. Ça dure 120 ans. Mais en fait, les gars, quelqu'un sait ou a compris comment tu sais, c'est une... Oh, bien. En vrai, bien, tu vois, c'est la meilleure. Il a une belle carte, je trouve, pour commencer. Il a du flow. Il a 80 partout. Elle a apparu direct, alors que c'est la meilleure carte pour le moment. Milik, Matic, putain, Crespo. Mais je comprends rien au système d'anime, couloir, pas couloir. Franchement, je comprends rien. Bon, là, tu comprends que ce soit expéditif, mais même pour les autres fois, j'ai rien compris. Non, 82. Ah! Wesh! C'est la... Bah non, j'allais dire la Puerta, mais rien à voir. Ah oui, ok, putain, c'est récent, je pensais même pas, ok. Diaby, ça aurait été incroyable. Mais Diaby, il va être boost, non? Il a pas une carte éclatée, en vrai. Hein. Ah! 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 Mais ah! Non. Là, ça parle, ça me parle, là. Franchement, ça me parle de ouf! C'est lui, non? Non! Mais j'ai juré, il ressemblait à Musiala, non? Moi, je croyais que c'était Musiala, il avait la dégaine à Musiala. Là, il se fout de notre gueule. Thomas Moula, prends ta retraite, tu m'as saoulé, vieux père. J'étais sûr que c'était lui, hein? Chasseur. Ah ouais, non, là, je me suis fait niquer, j'étais sûr que c'était lui, carrément. Je vais me faire rouster, hein. Ah! C'est Barcola, non? J'ai cru reconnaître direct, c'est Barcola. Après, il a pas une carte de ouf, mais bien. Ouais, c'est Barcola, j'ai que des Parisiens. Tout à l'heure, on va peut-être avoir Dembélé en boost. Hein. Là, pour le moment, Neves, Barcola, c'est les meilleurs joueurs que j'ai. C'est que des Parisiens. C'est trop comment j'aime le PSG. Hein. Ouais, il a une carte. Après, il manque un peu en dribble et tout. Il a une carte encore un peu tendre, mais à potentiel. Ok, Hugo. Bah, en vrai, ça va, ça se teste. Hein. Il a quand même 77 en finition. Ah! Rodri! La dégaine, j'ai pas reconnu. Ok, coquet, putain. Ok. Oh, y a pas une carte. Ouh, après, sa carte est pas full éclataxe, mais. En vrai, l'Atletico, y a beaucoup de joueurs à choper qui sont pas mal. Hein. Ah! Putain. Je sais même pas c'est le logo de qui, ça. Oh putain, Di Marco, en vrai, ça allait. Bon, c'est l'Inter, mais ok, putain, c'est le logo de l'Inter, ça. D'accord. Oh, le football, putain, il va être boost dans 20 minutes. Dommage, il va être boost. Ça se trouve, j'étais prédestiné à l'avoir. Garde-le, il va coûter prix max. Oui, mais je vais le garder, hein, je vais pas le vendre. Hein. Tranquille, on testera. En vrai, ce pack Di Marco Yamal, c'était pas mal. Ah, il y a du flow, là. C'est un gros joueur.
Attends, je réfléchis. Je vois... Mais c'est pas, c'est Pavard. Au moins, il a une petite note, mais... Ouais, à 84 quand même. Hein. Mais putain, il y a une carte pas dégueu. En vrai, il y a une carte pas dégueu. Hein. J'ai quand même des 84 des trucs, mais bon. Enfin, on a rien de foufou. Ah, Gradit. Ah! Je vous jure, je réfléchis. Ah, c'est Gusto, non? Ah oui. Je crois que ça allait, sa carte. Non, c'était pas incroyable, mais ça allait, non? Ouais, en vrai, sa carte est sympa. En début de jeu, il a vraiment une carte pas mal. Hein. Parce qu'en physique, après en défense, ouais, interception, il y a quand même 76. Ouais, ça passe. Ça passe. Puis ouais, il y a des liens faciles, quoi. Allez, monte la Team of the Week. Comment je la vois, là, déjà? C'est en clash, non? Il y a le Nueve. Ok. T'as, en plus, sa carte, elle est incroyable avec la célébration. Putain. Ça peut être vénère. Hein. Putain, mon rêve, cette carte, les gars. Ok. Carrière. Mais il y a Kvara aussi. Putain, mais l'équipe, elle est incroyable, la première Team of the Week. Hernandez, mais... Parce que déjà, sa carte régulière, c'est fou. Mais alors, ça booste. C'est Senodoy, ça va. Boniface. Bon, Yamal. Yamal, il a combien? 82 ou 1? Il avait 82, non? Juste pour le kiff, quoi. Bon, il a encore quelques manques. Il est pas mal, mais il a quelques... Il a quelques manques, on va pas se mentir. C'est un peu léger encore, mais c'est pas mal déjà pour un début de jeu. Mais juste pour le kiff, t'as envie de jouer avec. Ah, déjà un boost. En vrai, je sais même pas comment tu vois si c'est un boost. Ok. Elle a 83, je pensais même pas qu'il y a 83. Ah ok, pour Walkout, c'est les lumières au bout du couloir qui s'allument. Tout au fond, bah là rien s'est allumé, j'ai essayé de regarder. T'as eu ton Ali, et bah GG, ton Ali il est incroyable. En fait, faudrait que j'ai une fois une anime pour comprendre quoi. Bah putain, c'était 85 quand même là. Hein. C'est quoi anime 86 plus? C'est normal, j'ai pas mes 4600 points. Mais je crois on les a plus tard, les gars, les 4600 points, non? Moi non plus, je les ai pas. Hein. Je crois pas, je les ai eu. Hein. C'est Doku, là? Ah non, putain, mais je voulais pas Grealish. La vérité, j'aurais préféré Doku. Il a 84, mais je préférais Doku. Romero, non? Ça peut être Martinez aussi. Plus Martinez, non? Ah. 84, 85. Mais le truc, c'est que les 84, 85 que je pack, c'est des joueurs qui sont pas fous dans le jeu. Putain, y a pas les loupiotes. BU! C'est Vlao, non? Et il a une vieille note, non? Il a combien? 85? 4? 84, ok. Putain, y a pas une grosse note. Je pensais à 85 minimum. Ils sont bons ici. Putain, y a jamais la loupiote. Je vous aime bien. C'est vrai que j'ai pas à me plaindre. Ah! Putain, c'est encore Pavard. Ah putain, à chaque fois que j'ai un petit truc, c'est toujours les mêmes joueurs. Ah, c'était pas Pavard, je crois. Le logo était différent. Putain, c'est Varane. Mais il est éclaté maintenant. Putain, Varane, quand tu le paquais chaque année. Ah, j'ai le maillot du Real Vardrid, les gars. Donc le match, il ressemblait à quelque chose, on va dire. Que dès que je vais jouer un mec qui fait des gestes techniques, bon, on connaît. Hein. Ah! Ça, c'est 80. Il a une belle carte cette année. Dis-moi que c'est lui. Il a une belle carte, les gars, non? Je crois qu'on avait vu sa carte, je l'avais trouvé bien. Ah ouais, 86! Vamos! Mais comment vous avez vu là? Mais il a une vieille carte. Il était plus rapide sur les stats qu'on avait vu, non? Moi je croyais qu'il lui avait mis un peu plus de vitesse. Ah non, il est éclaté. Ah non, il est éclatax. Mais c'est pas grave, on a eu... il y a eu un triangle. Ok, la seule fois où j'ai pas regardé, bah, c'est là où il y a eu le triangle. Il y a beaucoup de milieux de terrain dans le jeu. Tonali! Non, il a MDC ou MC, je sais pas ce qu'il a. Non, c'est pas lui, mais. Wesh. Ah là, enfin un petit truc. Lui, la carte qu'il a, c'est un scandale. Ah, mais les gars, un joueur, mais c'est bien, Tonali, vraie bête de joueur dans le jeu. Bon, à la base, c'est un joueur que j'aime bien aussi. Ok, il y avait un autre 80. Oh, c'était mon pack. Franchement, des fois, les gars, oh là 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 là. Ce pack, il est extraordinaire. Le maillot de Nantes, il ressort trop bien dans le jeu. Non, mais la carte qu'il a, les gars, Tonali, elle est extraordinaire. Tellement fort. Non, ça va, là, on a eu un joueur, tu vois. Ouais, c'était parti où on n'a même pas un petit joueur. Lui, il va coûter un petit peu au début, tu vois. Là, tu te dis, t'as un bon joueur. T'as un des très bons milieux de terrain régulier du jeu, quoi. Ah, il n'y a plus le triangle. Ah. Ok. Mais je sais pas. Ok, c'était lui que j'avais en tête, mais je crois que sa carte était mieux. C'est dommage, parce que s'il avait un peu plus en vitesse, sa carte était sympa en vrai. J'ai packé Tonali, ouais, c'est le plus gros truc que j'ai eu. Ça va, Tonali, en vrai, après, j'ai eu des petits trucs, mais pas des trucs de fou. Donc voilà.
En vrai, c'est quoi que j'ai eu, Tonali? Putain, Parero, le frérot. On est habitué à 86. Voilà, on sait que c'est hacké parce qu'il n'y avait pas d'anime. Ah non, ok, De Ligt. Je pensais même plus à De Ligt carrément, ok. T'as là, t'as l'anime. Si t'as une grosse anime, c'est obligé que c'est Van Dijk derrière, donc c'est incroyable. Ah, Bremer? C'est lui, c'est bien. Ça m'a l'air d'être lui, non? Oh, bien. On a un deuxième bon joueur. Ah. Oh, la clim. Bremer, c'était pas mal. Ah! Bon, si c'est pas Vitinha, je l'ai déjà, Neves. Je pense que c'est Neves encore, non? Ah non, c'est Viti. Ok, putain, j'ai eu Vitinha et Neves. On a eu quelques joueurs du PSG. Après, Vitinha, sa carte pour une 85, il est pas très bien noté, je trouve. Et la draft, ça, rien n'a changé. Bon, le prix, c'est toujours la même. Attends, pourquoi draft solo? Ah, en ligne, solo, ok. En général, je mets 10 piges à gagner ma première draft en plus. Fais voir s'ils mettent des gros joueurs. 4-3-3, bah oui, je pense aussi partir sur ça, mais... Et 4-3-3 sur FIFA ces derniers temps, j'ai pas trop kiffé. Il y a des icônes et tout, des quartiers roux. Ah oui, ok. Ah ouais, mais là, c'est parce que c'est le premier truc. Ok. En vrai, Amsic, il avait une carte de taré, je trouve. Hein. Amsic, il est tellement complet. Je trouve qu'il a une vraie carte. Quand il va up et tout, ça va être même les playstyles et tout. Vas-y, Amsic. Vous voyez, sa carte, ça passe. Enfin, elle est pas ouf, mais ça passe, quoi. J'aurais peut-être dû rester Serie A, mais... Ah, par contre, sur les premières équipes, c'est pas la folie, hein. Ah, bien, Emery, c'est bien. Putain, il y a Wijnaldum aussi. Bien, Zaire Emery, parce qu'en plus, j'ai... Ouais, en fait, je suis Ligue 1 Serie A. Bon, il y a Enzo qui dégagera sûrement. Ah ouais, là, je suis obligé de prendre Davis. Mais là, la draft, elle va puer la merde. Hein. Putain, Kipembe, il a toujours une carte qui passe bien. Voilà, il m'arrange en plus. Ok. Là, on va prendre lui. Ok. Au moins, ils se mettent des liens. Klose, non, ça m'arrangeait pas. Ça aurait pu passer, mais c'est passé. Ah, Malen, bien. En vrai, Malen tous les jours. Plus, il a le BU et tout. Malen, c'est pas mal. Heureusement qu'on est parti sur de la Bundes. Oh. Je suis obligé de prendre Wirtz. Hein. Ouais, mais le truc, c'est que là, ça va me faire Tej. Bah non, je vais Tej Coupe Mainers. Oh, Chiesa, parfait. Il y a Lookman. En vrai, Chiesa, les gars, mais j'ai pas de PL. Putain, Gvara, ça c'est très bien. Oh, Lichmanen. Putain, il y a Rodrigo. Pourquoi il me donne tout le monde? Dybala, il me donne tout le monde là. En vrai, c'est Gvara, les gars, qui m'arrange le plus. Hein. Mais là, je pense faut prendre Gvara, il n'y a pas photo. Hein. Oh, putain, il y avait Nico. Oh là là. Oh, en vrai, la draft aurait pu être sympa. Coller, hein. Bon, c'est sûr. La fin, elle est sympa. Ginola, en plus, il met bien la Ligue 1. Putain, il y avait Ramirez aussi. En vrai, tous les choix étaient incroyables. Hein. Mais tranquille, on va partir sur Gino. Hein. Putain, même Rui Costa. Ouais, Ginola là, Chiesa à gauche. Ouais, mais Chiesa, ça lui donne quoi? Il a un lien, non? Après, Malen, c'est pas mal, mais j'avoue, ce serait le mieux. Ouais, le problème, c'est qu'il a un lien. Les gars, Chiesa un lien ou Malen avec deux liens? Vas-y, on peut laisser Chiesa. De toute façon, on verra. Tranquille. Bon, les gars, moi, je pense, je perds 4-1 ou un truc comme ça. Je vais me faire ouvrir. Vous allez voir. Faire dégommer. Bon, déjà, il a quoi comme équipe? Ok, ok. En vrai, j'ai une meilleure équipe que lui. Il n'y aura pas d'excuse sur l'équipe. J'ai une meilleure équipe que lui, on va pas se mentir. Il y avait un nouveau GT qui avait l'air sympa. Hein. J'ai voulu m'arracher avec Ginola, alors qu'en vrai, j'aurais dû faire la passe. Est-ce qu'il va avoir moins de comptes favorables cette année? Pas sûr. Bon, là, ça va, j'ai pris la balle. Regardez le comportement des joueurs, ceux qui ont les playstyles, genre Gvara et tout. Gvara, j'ai l'impression qu'il fait des bêtes d'appel dans l'axe, non? Putain, c'était Amsi. Ah non, c'était Wirtz. Il a mis 15 ans à tirer, par contre. Non, ça va, le 4-3-3, encore une fois, c'est le faux numéro. Oh putain, par contre, c'est... Bon, j'allais dire, c'est à ce que j'ai plus l'habitude. Mais ça a l'air un peu plus lent, des trucs un peu plus lourds, quoi. Mais ça, je pense, c'est à ce que j'ai plus du tout l'habitude. Putain, heureusement... Va! Rouge! Putain, j'allais tirer, il a mis 4 heures à tirer. Je vais rater le péno. J'espère qu'ils n'ont pas changé le système. J'ai mis 4 heures à tirer. Pourquoi j'ai pas la jauge? J'ai pas le rond? Oh la schneck. J'avais pas le cercle, il est où le cercle, poteau? Non, mais je parle pas le cercle, mais la cible, elle y était plus l'année dernière, c'est juste, je m'en rappelle plus. Un petit rond là que tu déplaçais devant le but et tout. Ah, ça fait 3 ans qu'il y a plus. Oh putain, je m'en rappelle plus. Je croyais, il y était. Oh, je vous jure, les gars, je suis...
Vraiment, j'étais sûr qu'il y était encore l'année dernière. En vrai, là, le début de match, il est plaisant, ça va. Hein. Moi, ça va, là, je kiffe pour le moment. C'est que le début, ça fait 10 ans que j'ai pas joué. Après, on connaît la suite, hein. Mais je veux dire, là, bon, ça part pas dans tous les sens. Bah, après, parce qu'on sait pas jouer aussi, hein, logique. Hein. Davis lancé. Là, il va croire à la passe. Il a pas cru à la passe. Je croyais qu'il allait croire à la passe. Du coup, je faisais le petit tout droit. Et après, la passe sortait. J'étais bien faire une frappe enroulée d'Amsic, juste. J'ai tenté. Hein. Putain, le time finishing, faut que je pense à le refaire. Va, Gino! Ah, mais comment? L'autre, il a 12 étoiles en mauvais pied. Putain, j'aurais dû faire un vieil extérieur du pied. Il y a un petit peu plus de... Vraiment. Alors là, je sais pas si c'est à cause des serveurs, mais il y a un peu plus d'inertie quand t'appuies et tout. Ça prend un peu plus de temps. Hein. Vraiment. Ça, c'est un petit ressenti, par contre. Ou alors, comme je vous dis, c'est vraiment parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué à FIFA tout court. Tu me remettrais sur le 24 et je te dirais la même chose. C'est une possibilité aussi. Oh là là, le football, les amis. Le football vit encore. C'est Wirtz qui marque. Je crois que c'est Wirtz. Hein. Mais le faux numéro 9, tu vois, c'est vénère. Ouais, là, ça change tout dans le 4-3-3 parce que ça se transforme en 4-4-2. Enfin, t'as tes ailiers, t'as deux mecs dans l'axe. Ça change tout, en fait. Fais des appels de fou. Mais pareil, le time, j'y pense même plus. Putain, Donovan, ça a l'air d'être un monstre sur celui-là. Avec Messi, ça va peut-être être pas mal. Hein. Oh, il m'a niqué, je me suis décalé. Bah ouais, mais ça m'apprendra à faire le compte. Putain, c'est la première au casque que je concède et je prends un pion. Je fais que de la merde. Ah, vas-y, poteau. Ah ouais, là, il joue la vie de sa vie. Hein. Ça va peut-être finir par payer pour lui. Bon, ça va. Ça va, parce que pour le moment, à chaque fois que j'ai bien anticipé, j'ai été récompensé. Il n'y a plus de compte favorable, de dinguerie. Mais bon, j'ai bien défendu. En vrai, j'ai concédé une occasion du match. Une action que j'ai mal défendue, il a marqué. Tout le reste, j'ai bien défendu. J'ai pris le ballon tranquillement. Donc, si c'est ça, tu vois, c'est bien. Mais les gars, c'est lent, hein, vous allez voir. Moi, comme je vous ai dit, je sais pas si c'est parce que j'ai pas joué à FIFA tout court depuis un moment. Ou si c'est parce que, quand même, c'est un peu plus lent qu'avant ou plus lourd. Pour moi, là, c'est lourd. Allez, si on passe un deuxième tour, ce serait beau. Saliba, Ramirez, Mouziala, Léao, Yamal, voleur fort là. Oh, son équipe elle est incroyable. Faire fumer. Oh, si c'est un pro, on va vite être fixé sur les gestes et tout. Bon, déjà tu le vois, il va vite de l'avant, il sait ce qu'il fait. Ouais, ça va être un match très compliqué, c'est sûr. Ah ouais. Tu le vois, il sait jouer le mec. Hein. Passement de jambes, tout ça, les fins de corps. Merci. Ah ouais, il fait les trucs machin là. Ouais, c'est tombé les player lock. T'as les passements de jambes, c'est tellement de la merde. C'est trop chiant à jouer. Enfin, c'est de la merde, quoi. Ok. Les gars, j'ai appuyé pour faire la transversale dès le début. Il a mis 4 heures. Il a chargé la transversale, il l'a jamais donné, la balle. J'avais 10 fois le temps, mais ils mettent plus de temps à charger les trucs, j'ai l'impression. Faire gaffe à ça. Hein. Bon, voilà, je pense que c'est fini. Tôt, fallait pas lui donner de but. Hein. Ah ouais, là, maintenant... T'es mal, il frappe, le mec il s'avance même pas, il sait les angles, il sait déjà ses buts directs, vous avez vu, alors qu'il peut s'avancer, faire la passe. Ah, Ginola! Non mais Ginola il pue la merde, il rate tout, comment il rate ça? Il va faire l'enrouler, non? T'as le passement de jambe, mais pourquoi il nerve pas cette merde à chaque fois? L'autre, le joueur, il est sur place, il fait un passement de jambe, il prend un boost, tu peux rien faire. Ah, vas-y, franchement, j'ai pas de chance. Je fais un match pas mal, hein. Je suis en construction, tout, mais j'ai pas de chance. Ouais, il a cancel son truc. Qu'est-ce que tu veux faire contre des gestes comme ça qui n'existent pas? Ça rend. C'est pour ça que dès que tu joues des pros et tout, c'est un enfer. Enfin, c'est catastrophique le jeu, tu le vois direct. Ouais, Ginola, tu pues la merde. Mais les enroulés, ça doit être cheaté. Aux abords de la surface, non, parce qu'il en a tenté beaucoup. Ah putain. Et tu vois, le mec, il connaît, enfin, il a saigné la bêta. Et à chaque fois qu'il pouvait, il tentait.
Non mais franchement les gars, tu sors d'un match comme ça, le mec il est meilleur que moi à FIFA. Mais c'est que des bugs qui le font gagner, la vérité. Je fais zéro geste technique, je fais rien en construction, je suis au-dessus de lui. La vérité, hein. Même l'anticipation et tout. Lui, avec ses joueurs, il fait l'essuie-glace. Il attend, tu sais, avec ses défenseurs. Non, mais sincèrement, moi, c'est le ressenti que j'ai à la sortie d'un match comme ça, hein, vraiment. C'est les bugs, quoi. Mais même sans bugs, tu vois, j'aurais pu rivaliser avec un peu de réussite, quoi. On fait voir, rush. On va refaire une tentative rush. Ah, mais faut être plusieurs, non? Ok, et là, je choisis mon joueur. On prend qui? Yamal? Il a combien, Yamal? 81? 81 ou 2, je sais plus. Faisons vivre le fou, ouais. Wesh, c'est quoi ces joueurs? Il a pris Diop en DC, bah, tranquille. Oh, la compo, là, les gars, c'est la win, ça, je reconnais. Et wesh, je suis en face d'Embélé, Nico Williams, t'avais Bonny. Mais c'est quoi ces cartes qu'ils ont déjà, les gars? En vrai, ça peut être marrant, hein. Ça peut être stylé, hein. Attends, fais voir. Oh, bah là. Fais la passe, poteau en retrait. Bien joué. Remène à moi. Perso, va. Matt, il a vu que j'étais chaud, faut qu'il combine avec moi. Oh. Ah, il y a des hors-jeux. Mais j'allais tirer, moi, j'allais faire l'enroulé, j'étais bien en plus. Ah, je savais pas qu'il y avait des hors-jeux dans ce mode. Vous saviez, moi, je pensais qu'il y avait pas de règles. Oh, la clim. Mais y a, là, il y a peut-être pas d'hors-jeux à partir de la ligne. Oh, il est bien choix, ok. À partir de la ligne où elle est pointillée, il n'y a pas de hors-jeu. Ça a l'air pas mal si tu joues avec des potes, je pense, il y a moyen de taper des barres. Hein. Ouais, parce que là, même avec des inconnus, tu sais, ça va, tu vois, ça peut être kiffant, mais je pense avec des potes, t'es en vocal, c'est incroyable. On y est. Je vais faire la passe, je suis altruiste. Regardez. Et s'il ratait, je l'insultais. C'est qui a marqué? C'est pas celui qui m'a battu tout à l'heure. Oula, là, je pars déjà. Je suis pas hors-jeu. J'ai fait exprès, je suis sur les deux buts. Je suis trop fort. Ah, j'ai récupéré tellement de balles. Ils aiment trop les LBY jouer au sol. C'était fait exprès. En vrai, j'ai voulu lui faire la passe, mais vu qu'il y a de la latence, ça l'a donné trop tard. Je suis sur les trois buts, pleurer. Je suis au deuxième. Magnifique. Non, il n'y avait personne au centre, j'étais obligé de tenter ça. En vrai, les gars, ça peut être sympa, hein, parce que t'as pas besoin d'être à 50 pour jouer, tu peux créer un truc rapidement, tu vois, te chauffer avec des gens. Vraiment, les gars, je pense que c'est un truc qui peut faire un peu d'ombre au club pro, genre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire dans l'idée. Parce que c'est plus facile à mettre en place et c'est sympa, tu vois. Ah oui, il est en mode club pro aussi. Bah oui, c'est vrai, il est en mode club pro. C'est pareil, c'est lié, non? Oh, remets-la moi, je suis pas hors jeu. Magnifique. Oh, j'ai fait rater. Oh, je croyais que j'avais raté. Une régalade en équipe de potes contre des randoms, à voir si ça joue en passe. Bah si tu joues avec tes potes, t'es bien. Putain, on aurait pu faire un clean sheet, poteau. Comment ça, il se stoppe le... Attends, j'ai rien compris. 9,8, les gars. Homme du match, pleurer. Logique, interception, tac, les meilleurs buteurs. Je suis carrément dans toutes les catégories. Point rush, décerné. Putain, je crois que j'ai gagné 2200 points FIFA. Ok, t'as des bonus, peut-être des trucs à... Bah, du coup, je dois accomplir des trucs vu que j'ai fait des stats. Mais bon. C'est quoi? Non, après, il y aura peut-être des événements du coup. C'est juste que là, pour le moment, il y a que dalle, non? De temps en temps, il y aura des événements, des trucs. Là, tu peux juste faire des matchs comme ça, je pense. Mais c'est pas... ça a l'air pas trop mal après avoir sur la durée. C'est toujours la même chose, hein. Mais comme ça, ça va, c'était sympa. Et pourtant, je joue avec des randoms, hein.